1er février. Et on se retrouve pour un unboxing. Alors, ce colis que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres vient du site CraftEase, avec qui je suis en partenariat. Donc, ils m'ont retourné une toile que j'ai choisie. Hein. Donc, un grand merci à eux. Pour info, j'avais déjà fait une toile chez eux que j'avais adorée. Vous pouvez aller voir l'unboxing et on l'avait faite ensemble, la toile. J'avais adoré. Du coup, j'ai pu re-choisir une autre toile. Alors, à la base, j'avais déjà choisi dans ma tête celle que je voulais sur leur site parce qu'en fait, ils n'ont qu'une dizaine de toiles. Et du coup, quand j'étais dessus, j'en ai vu deux autres qui me tentaient bien. Alors, il a fallu que je fasse un choix qui n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Donc, j'ai choisi celle-ci. Alors, pour info, CraftEase, leurs toiles ne sont pas données, mais c'est un site qui travaille avec des artistes indépendants. Donc, c'est pour ça que les toiles sont un peu plus chères. Celle-ci, c'est une 40 par 50 de mémoire. 40 par 50, ouais. Donc, ils me l'ont envoyé le 19 janvier et je l'ai reçu donc aujourd'hui, le 1er février. Donc, 10 jours pour la recevoir. Nickel. Du coup, j'ai un code promo à vous proposer de 20% que je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup, ça peut être intéressant pour vous si jamais vous voulez vous laisser tenter. Hein, faites ce que vous voulez. Alors, du coup, on y va. Moi, j'ai reçu donc le colis où il y a écrit fragile. Ça, c'est cool. C'est très, très bien emballé. Fragile aussi ici. Très, très bien emballé. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. S'il veut, il ne veut pas. Mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai adoré faire leur première toile, donc là je suis ravie. Je dois refaire une autre. Ah. Alors pour mémoire, ils mélangent leur toile, donc là c'est des ronds avec des strass spéciaux. Donc ça fait un effet plutôt sympa. Vous pouvez retrouver ça dans mes précédentes vidéos hein, sur eux. C'est très très bien emballé. Allez. Hop là. Voilà. Alors, il y a déjà l'enveloppe de protection qui a du papier bulle. Et en plus, on a du papier bulle. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Je vais tester avec ça. J'ai reçu ça hein, de AliExpress. Ça remplace le cutter en fait. C'est un crayon en céramique. Céramique pen cutter. Que je viens d'avoir aussi là dans la boîte aux lettres. Et apparemment, c'est plutôt pas mal comme truc. À voir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mon but, c'est que ça remplace mon cutter pour les toiles. Je testerai ça sur l'étoile. Je ne l'ai pas acheté cher hein, sur Ali. J'ai dû l'acheter. Oui, je l'ai acheté 1,09€. Et c'est arrivé en 15 jours. Donc, autant vous dire, c'est cool. Donc, je vais y arriver, moi, avec mon papier. Là. Ah, voilà. Et ben. Ça, là. Voilà. Donc, la boîte de CraftEase. Voici comment ça se présente. Ils ont de très jolies boîtes. J'aime beaucoup. C'est vraiment dedans, ils vous disent hein, tout ce qu'il y a. Allez, on y va. On va ouvrir ça. On va essayer d'ouvrir ça bien pour garder la boîte. Il faut toujours servir. Donc dedans, c'est emballé. Hop, vous tirez ça et vous avez tout pris. Voilà. Alors, moi, c'est... la toile s'appelle Floralie. Qui a été faite par Sybil Art. Donc Sybil Art, c'était déjà l'artiste de la première toile que j'ai choisie chez eux. J'aime beaucoup. Elle fait de super dessins, donc c'est vraiment très beau. Allez, alors. Hop là.
Attends, je vais mettre bien à plat. Donc, voici la toile. Je regarde derrière. Ouais. D'accord, je la mets bien à plat. Alors, c'est pas des rivières. Hein. Comme c'est du papier transparent, j'aurais pas de souci de rivière. Voilà, il va juste falloir que je la mette bien à plat avant de la commencer. Voilà. J'attends un peu la toile. Voilà. Alors, eh ben je vais manger du fond, hein, le fond là. Alors, que je vous fasse voir de plus près au niveau des symboles. Donc, c'est parfaitement bien. Nickel. J'ai 28 couleurs et sur la toile, en fait, vous avez donc le nom, Floralie, de la toile, la taille, et vous avez la photo et le nombre de couleurs, les codes et les DMC. Et vous voyez qu'en fait, il y en a qui sont surlignés. 102, 155, ce sont les strass spéciaux. Alors, je vais vous faire voir la photo que j'ai sortie. Voilà, donc toutes les couleurs que j'aime. J'adore, elle est trop trop belle. Elle est magnifique. Donc, au niveau du toolkit chez eux, on va regarder ça. Ah. Alors, on a une barquette, mais Rikiki, hein. elle est petite. Elles sont plus petites que les barquettes blanches de chez Home Fun. On a beaucoup de colle. Voilà. On a deux mousses avec deux stylets. Et on a des multiplaceurs. Donc celui-là, ça doit être un de 5 ou 6. Et celui-ci de 3. Voilà. Et une pince qui a le mérite d'exister, mais dont je ne me sers pas du tout. Voilà. Pour le kit. Donc ce sont des diamants ronds. Des diamants ronds. Elle est trop belle. Oh là là, j'adore. Le fond, il va être magnifique. Alors, ouh, on n'est pas lancé de diamants. Hein. Donc, ça doit être le fond, je suppose. 14. Ouais, c'est tout le fond, ça. Regardez-moi la couleur. Oh là là, j'adore. Enfin, j'en ai plusieurs paquets. 1, 2, 3, 4. 5, 6 paquets pour le fond. Un magnifique violet. Oh là là. Du noir, du noir. On dirait pas que je parlais pour les cheveux. Et du coup, on trouve un strass spéciaux à incruster dedans. Encore du violet. Et le deuxième strass spéciaux. Donc c'est deux violets différents, les strass spéciaux. Alors vous ne voyez pas trop la différence, mais moi je la vois. Hop. Ah ben non, ça c'est les mêmes. Alors attendez. Ceux qui font 3, 5. En fait, il y a 3. Et ça c'est 3, 28. 3, 5 et 28. Ah ben le 28 aussi, d'accord. Donc ça c'est... Et en fait j'ai 3 strass spéciaux. J'ai celui-ci aussi. Du violet. Donc, j'ai 3 strass spéciaux à intégrer dedans. Ça va être très chouette. On va regarder où est-ce qu'ils se mettent. Oh là là, les couleurs. Ah, faut aimer le rose et le violet. Hein. Alors, donc on a du 28. Donc celui-ci. Qui est où ? Celui-ci, en strass spéciaux. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous faire voir à peu près où est-ce que j'en trouve. Ouais, vous en avez un petit peu. Je vais vous zoomer peut-être. Voilà. Vous en avez un petit peu ici, dans ses cheveux, en fait, pour les fleurs.
ici, vous en avez un petit peu ici. J'en ai vu un peu. Après, c'est un peu disséminé. Ah, bah, c'est un peu partout sur la toile, ça va être plus simple. Ensuite, j'ai le numéro 5, c'est le Y. Donc, c'est pareil, c'est un peu dans les fleurs. Le Y et le Z. Ouais, donc c'est beaucoup les fleurs ici, là. On a pas mal. Tout ça, c'est des strass spéciaux. Ça va être magnifique. Un papillon aussi. Elle va être trop trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas déçue. Hein. Leur toile est magnifique. Voilà, bah, écoutez, pour cet unboxing magnifique. Moi, je suis. Oh, le fond et tout là. Oh là là. Oh, ça, j'adore. Après, faut aimer. Hein. Faut aimer le rose. Mais j'avoue, hein, tout le monde n'aime pas forcément ces couleurs-là. Mais moi, je suis ravie. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!